Alors, au début des années 60, il y a eu une amorce de prise de conscience de la valeur du quartier, la valeur des bâtiments, la préservation de l'architecture qui est représentative du Vieux-Montréal. Alors, mon père a décidé de déménager toute la famille dans le Vieux-Montréal et de fonder un restaurant qui s'appelle Les Filles du Roi. Les Filles du Roi, c'est un phénomène assez particulier au 18e siècle, au 17e siècle, pardon. Le roi Louis XIV a envoyé des volontaires pour se marier avec des soldats et puis des colons qui manquaient de femmes. Alors, il voulait avoir des familles, il voulait fonder vraiment une colonie peuplée. Et ils ont envoyé à peu près 1000 volontaires dans cet objectif-là. Et ces volontaires-là, ces filles-là, étaient prises en charge par Marguerite Bourgeois, qui a fondé la petite chapelle ici derrière. Alors, c'est là qu'elles étaient reçues et puis qu'elles étaient prises en charge par Marguerite Bourgeois. Et comme la dot était payée par Louis XIV, on les appelait les filles du roi. Ouais. Ça, c'était le début. Au cours des années, la famille, nous, on habitait toujours sur place. Et la famille, une fois que la famille s'est démembrée un peu, un se marie, l'autre s'en va et tout. Alors, c'est là qu'il a fallu prendre la décision de transformer le reste de la maison en hôtel. Alors, c'est un très petit hôtel. Il y a 9 chambres pour les clients. Alors, on ne peut pas imaginer plus petit hôtel comme ça. C'est à la mesure d'une maison. Pierre du Calvet, le bâtiment principal, est un des plus anciens. Il est du 18e siècle et c'est un des plus anciens bâtiments du Vieux-Montréal. Même Ben Franklin est venu dans la maison ici. Il y a eu pendant la Révolution américaine, dans le cadre de la Révolution en 1775, Franklin est venu et Calvet a collaboré avec les Américains. Il est considéré par les historiens britanniques comme un traître à la couronne. Oui, il a fait 3 ans de prison, prisonnier politique. Alors, c'était un personnage très coloré, Pierre du Calvet. Et il nous a laissé sa maison, qui est un témoignage important de l'architecture du 18e siècle, encore de style à influence française.